Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsujinro et bienvenue chers amis, bienvenue dans un monde enfantin où des tas d'aventures incroyables nous attendent, et bienvenue dans Adventure Time. Et vous le savez tout aussi bien que moi, je suis un grand enfant, hein, j'ai 12 ans d'âge mental et pas mal de folie. Donc voilà, ce qui m'oblige à faire des vidéos sur YouTube quotidiennement. Et d'ailleurs à ce propos, je tiens à vous remercier, je viens de passer les 700 abonnés. Même 708, hein, c'est génial, j'ai gagné 10 abonnés d'un coup en une seule journée. Nom nom nom, le délice. Et en plus, j'ai passé les 100 000 vues, bientôt même 110 000, c'est incroyable parce que ça peut... plus ça va haut, plus ça va vite, en fait, ça, c'est marrant, hein. C'est drôle. Voilà, et je tiens à vous dire que je vous remercie infiniment et je m'estime très chanceux, même si ce n'est pas grand-chose pour vous, pour moi ça veut dire beaucoup, je m'estime très chanceux de pouvoir faire des centaines et même des fois des milliers de vues sur YouTube parce que, voilà, YouTube essaie de tuer le gaming. Tout simplement, il n'en a rien à fiche du gaming, il voudrait le voir mourir, il voudrait faire que des pranks et je sais pas, des dégustations et des un spinner et voilà. Bref, Adventure Time, le dessin animé qui passe, enfin moi j'ai découvert sur Gulli, c'est produit par Sacartoon, non pas Sacartoon, Sacartoon c'est mon enfance, oh le sac, non c'est Cartoon Network, et c'est un peu la bombe l'éponge, j'espère que vous connaissez Bob l'éponge, voilà, j'espère que vous connaissez Adventure Time, quand je tombe dessus sur Gulli, moi j'hésite pas à rester dessus parce que j'aime beaucoup, c'est un peu fou. Et démarrer une nouvelle partie. Oui, je démarre une nouvelle partie parce que, voilà, quand on démarre le jeu, il nous fait démarrer automatiquement sans pouvoir faire des réglages. Donc, et bah, allons-y. Et voilà. Alors, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Flint. Il est pas émotionnellement prêt pour ça. Battrait presque... à plat. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui a rencontré un chien magique. Et le chien a une voix de black. C'est génial. Voilà. Ils voulaient rester debout toute la nuit, mais comme c'est des gamins, comme c'est des enfants, et ben voilà, ils sont tout jeunes. Donc voilà, c'est des black potaches, c'est des aventures, c'est des personnages hauts en couleur, totalement barrés. C'est un peu absurde comme humour. Moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Je suis un grand enfant de toute façon. Donc voilà. Alors ils se sont endormis dans leur arbre cabane, dans leur arbre maison, hein, et ils se réveillent en plein lac. C'est pas la mer, c'est juste un lac. Voilà, Finn, c'est lui. Comment il s'appelle, ce chien? Je me souviens plus. Alors, c'est une découverte et il me semble que ça sera du tour par tour. Alors, le royaume de glace, qui est dirigé par le roi de glace, qui fait tout le temps que des bêtises et qui est tout le temps méchant, même quand il essaie d'être gentil. Il y a des tas de monstres gigantesques et tous très laids, mais en général, ils sont pas forcément méchants. Ah, tu m'étonnes, un tutoriel. Truc de cette taille. Ok, donc appuyer sur RT. Voilà. Donc tu avances, tu recules. Yeah. Et donc ils ont piqué le bateau de Jeff. C'est un frigo. Est-ce que je peux...
parler au roi des glaces. Donc j'imagine qu'on doit se diriger vers le royaume des glaces. Alors le roi des glaces, il est marrant parce qu'il n'a pas d'amis. Et même quand il essaye de s'en faire, il peut pas s'empêcher d'être diabolique, ça c'est drôle. L'étoile est par là, mais voilà, je sais pas du tout le pourquoi du comment du jeu de découverte. Est-ce que je peux non, je peux pas m'arrêter, je peux pas sortir de là, reprendre. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Bah c'est un inventaire. C'est un inventaire. On a des armes. Il a son épée qui est un peu légendaire. Attaque. Donc ça c'est que des potions de vie alors. Régénère 50. Ressuscite un allié tué au combat. Donc ça sera bien du tour par tour en équipe, hein? On est d'accord. Et une batterie remplit la barre spéciale d'un héros à 50%. HP, Flint et Jake. Finn et Jake, Flynn. Pourquoi j'appelle Flynn? J'en sais rien. Peut-être à cause des Flintstones. Ah, tiens, il est. Finn est soigneur. Pourtant, c'est lui qui a l'épée. Soigne tout le monde, tiens. Ah oui, non, ça, c'est parce que. Ok. Bon, bah. Reprendre. Reprenons, reprenons. Oh, la bouteille. Je suis sûr que c'est quelque chose. Collecté. B. Ah, bah, génial. Il le collecte lui-même avec sa grosse mimine. Oui, déjà vous. Je fais du. Je fais le con. Voilà, je fais simplement le con. C'est génial, mais tu peux tout collecter. Attends, t'es gentil. Une potion. Ah bah, j'aurais eu tort de. J'aurais eu tort d'aller tout de suite dans le royaume de glace, attends. Là, il y a encore une. Il n'y a rien de tout. Ok, bah c'est bien. Allez, encore là, la boubou. La bouteille. Ah, je sais pas du tout où je vais. Je regarde plus du tout l'étoile. Oh, on doit être dans le bon chemin. Dans la bonne direction. En bon François. Bah, qu'est-ce que t'es, toi? Oh, attends. T'as des marchandises? Il me bourre! Et il chante, c'est pas mal. Donc, self-shading, c'est plutôt vieux, hein. Self-shading, c'est un peu dépassé, j'ai envie de dire. Nanana. Salut, ça farte! Oh, dis donc, t'as une drôle de tête, toi. On dirait. Dire un truc, voilà. En tout cas, il a le bouton rouge. Ok, des pingouins, une banquise qui se détache. Et c'est par là. Est-ce que je peux faire le tour? Oh, je fais durer le plaisir là, ça sert strictement à rien. On y va. On y va. 400 mètres. Je me demande bien s'il va y avoir beaucoup de bateaux à faire. C'est plutôt sympa, hein? Ça me rappelle Zelda. Wind Waker. D'ailleurs, d'où le self-shading. Oh, débarquer. Débarquons. On vient de débarquer. À l'embarcadère. Du port. Bon. Ah, il a son épée. Ouais. Ça, c'est. Ok. Non, non, mais je m'y attendais pas. C'est une moto. Et il fait. Avec la bouche, ça me fait marrer. Ah non, mais ça. Donc, son attaque, c'est de se transformer en mobylette. C'est génial. C'est complètement con, hein, mais c'est génial. Salut, ça farte? Oui, non, mais ça sert à rien de leur parler. Hein. Map, map. Ah bah, il est là, le roi des glaces.
Qu'est-ce que tu veux, vilain? Vilain méchant, pas beau. Encore une vidéo pour toute la famille, dis donc, il faut que je surveille mon langage. Voilà, il est pas content. D'habitude, il a un chapeau, non? Il a un cœur de glace aussi, il me semble. Yeah, we noticed. What happened, dude? My kingdom is ruined. My crown's gone forever. Ils ont chopé sa couronne. You know, just your basic average worst day of your life. But other than that? Et à part ça, Ah, son royaume est en train de fondre. Son assurance ne couvre pas les catastrophes naturelles. Dude, he's got to know something about what happened. We have to find a way to make him talk. Yeah. Maybe it's time we went all popo on his butt. Interrogation time? Interrogation time. Ils vont l'interroger. Ils vont faire good cop bad cop lors de l'interrogatoire. Excellent. Ice King, what happened here? We can't help you if we don't know where to start. Tu nous caches quelque chose. Chacun son tour. Il est mou alors, soyons durs. Et... Ah d'accord, good cop, bad cop. Tu as inondé notre maison. Fort mieux de parler. Je commence vraiment à m'énerver. One quick blast and somehow I melted a wall. Anyway, what was I doing? Now we're getting somewhere. Commence enfin à avancer. Faut maintenir la pression. On va faire good cop bad cop. Okay, great. That's a start, but then what happened? Have you seen Gunter? Well, ask him. Oh, Gunter. Qui c'est Gunter? Je me souviens plus. Ah d'accord, il faut faire good cop bad cop. Faisons pression à nouveau. Ah ouais, d'accord. Quoi? Allez. Crache le morceau. I'm sorry. Something happened to my crown. Instead of freezing, it kept melting. Oh, I melted my whole kingdom. Me, I melted it. I was so annoyed. Tellement énervé que ma crown. I threw it away. Maybe a bad move, thinking about it in retrospect. C'est lui qui a fait tout fondre. The interrogation was a success. A success. Hey. Bon, on va parler au roi. D'accord. Super. Génial, donc c'est lui qui a fait, qui est responsable de tout ça. Je sais pas. Oh. Oh, all right. When I threw the crown away, it landed on an iceberg. Last time I saw it, it was floating toward the Candy Kingdom. You know, if it's still there. Le royaume des confiseries existe encore. I almost forgot. I found this. It was frozen into the wall before, you know, the melting and stuff. Oh, une épée de glace. On aura peut-être besoin. Oh, ça a l'air chaudipo, hein. Cool. Thanks, man. Come on, Jake. Time to set course for the Candy Kingdom. Allons retrouver la couronne du roi des glaces. C'est quoi déjà pour changer de... Est-ce que je peux l'équiper avec son épée de glace? Non, attends, c'est là. Ah, je vois pas du tout où sont ces armes. Ce ne sont que les objets, ça. Mais... Ah. Bon, HP, HP. Ok, bon bah tant pis pour moi. Tant pis pour moi, j'ai pourtant une épée. Diamant de glace, et dis donc.
C'est chaudipo, disons, un diamant de glace. Est-ce que je peux courir? Non, pas du tout. Oh là, et puis il est terriblement lent. Donc si je détruis votre royaume, moi je gagne des trucs. Attends, je suis content. Diamant de glace. Je peux kick un pingouin? Juste encore là. Diamant de glace. Pardon, hein. Je vous promets de sauver votre royaume, mais pas tout de suite. S'il y a des diamants, je me sers. Hein. Oh, super. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais il y aura peut-être du crafting. Il y aura peut-être, sans doute, de quoi faire des potions. Il va sûrement falloir faire des potions. Et voilà. Là-bas, il y a un baril. Nien. C'est quoi ça? Si je tape dedans, ça fait quelque chose? Non, bon, ça fait rien. Allez, on rentre à quelque part. Salut, ça farte. Ça pingouine. Ça glisse. Ça happy feet. Embarquez. Embarquons. Donc le royaume des bonbons, hein, Candy Kingdom. Jeff est très très gentil de ne pas porter plainte tout de suite pour ce bateau. 1600 mètres, dis donc, et ça. Bah, il y en a un qui a coulé. Donc, on se fait un pognon monstre, hein. Je me demande, est-ce que les combats sont difficiles ou pas? Parce que pour l'instant, mon gars, il n'y a vraiment rien de compliqué. On est bien dans l'univers, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait franchement plaisir. Un bateau pirate! Oh, et puis tire à vue cette bande de... Cornichons? Cette bande de cornichons? Combat. Bon, bah, ok. Alors, comment ça se passe? C'est quoi votre problème? Bon, bah, faut croire que j'ai que ça. Ils ont vraiment une tête de cornichon. Je peux pas me protéger un peu? Objet. Tiens, je peux pas. Bon, bah, il y a que ça pour se soigner. On va pas utiliser d'objet tout de suite. Ah, tu veux que je me guérisse en fait? Utilise une fiole. Bah, tu veux plus? Ok. Heureux les amis, heureux. J'ai eu un bug. Il faut vraiment que je fasse attention de faire ce que le jeu me demande. Parce que, bah, parce qu'il bug apparemment. C'est étrange. Ok. C'est quoi le problème? Ok. Donc 60 HP, 60 HP, 60 HP. Toi, Jim Patagol. Et ils vont tous m'attaquer. Donc guérison, utilise. Petite pomme, 25% de la santé de tous les héros. Génère 50% d'un héros. Mouais. Voilà. Merci de ne pas bugger. Ah, il lui met un coup de poing. Il est encore en vie. J'essaie d'utiliser l'épée du roi. Nous utilisons l'énergie que les héros effectuent. D'accord. Spécial. Ah, d'accord, c'est une attaque spéciale. Bah, fais voir celui-là. Ah oui, non, oh, ça marche bien, ça marche bien. Coup super efficace. Garde banane. C'est des bananes? Ne sont pas résistants aux attaques de glace. Là, chaque ennemi, ok. Ils ont des points faibles. Certes. En préparation. Ah, ils se préparent, à mon avis, c'est un buff. Blocage. Tu veux que je bloque? Donc on se prépare à l'attaque. Et ils nous feront moins... Dis-moi, ça va, tu... C'est bon? T'en as pas marre? Non, mais c'est pas vrai. Non, 4, ça veut dire que c'est 5 attaques de blocage?
Bon, il a toujours 200. Non, 100, ouais, 127. Est-ce que j'ai une attaque spéciale aussi? Oh, dis donc, regarde. Et il fait pas de. Si, il fait une AOE. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit lui. Est-ce que j'ai encore une attaque spéciale? Voilà, je l'ai la banane. 14, d'accord, ça fait 14 de dégâts au lieu de 5. Et là, il attaque tout de suite. Bah, très bien, ça fait 16 de dégâts. Pas mal, hein, c'est sympa, c'est bien foutu. C'est coloré, c'est riche, c'est chiolipo. On est tous les deux niveau 2. Jake qui joue des points. Pour accéder au carnet. Oui, non, mais ça, j'ai vu. Est-ce que j'ai du stuff? Booste ton héros. Dépense ton argent pour augmenter le niveau des aptitudes de tes héros. Donc ça, c'est la précision, l'esquive, l'attaque et puis la défense. 25 d'attaque. Ok. Bon, bah la précision, alors. Moi, je suis pas très très défense, hein. Ah, il y a une attaque spéciale en plus. Ah bah j'ai plus de sous, bravo. J'ai plus de sous pour Jake. Fine à tout prix, c'est pas gentil, hein. Alors là, si je m'arrête et que si je reste appuyé sur B, il ramasse tout. Tout le loot, tu donnes tout le loot parce qu'on va en avoir besoin. Allez, c'est parti vers l'infini et l'au-delà, vers l'étoile du sud-ouest apparemment. Sud-sud-ouest, ouais, c'est ça. Ah, vous entendez, il chante. Oh, c'est chaud, Lipo. Allons au royaume des bonbons. Ah, j'aime les bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable, mais les bonbons, c'est tellement bon. Non, la vieille chanson. Alors, des bisous à nos amis belges, hein. Qui font quand même plus de 15%, 10 à 15% de mon public. Hein. C'est des Belges, donc des bisous, désolé pour la Coupe du Monde. C'est le jeu, les loulous, c'est comme ça. C'est comme ça. 1-0, ouais, c'est sûr, c'est un peu. Aïe aïe aïe. 1-0, c'est clair, c'était pas la joie. Oh, du loot, du loot, du loot. Hop là. D'ailleurs, ils avaient une super équipe, hein. Nope, et encore ça. Voilà, parce que ça fait plaisir. Allez, on débarque. Royaume des bonbons. Il y a une. Bah, c'est la princesse, c'est la. Des caméras de vidéo de surveillance maintenant. Ok, d'accord. That's weird. Oh là là, il y a des bonbons, des chamallows, des. Comment on appelle ça? Pas des beignets. Ah bah d'accord, on se fait attaquer par des demi-bananes alors. C'est pas des cornichons, mais ils ressemblent, hein. Ils ressemblent fortement. Ah, on peut s'enfuir, d'accord. Aptitude ultime. Remplis la barre ultime de Flynn. Pour cogner tes ennemis. Lorsque la barre est pleine, tu pourras débloquer une puissance incroyable du gant. On attaque à 16, hein, c'est cela. Hein. On va s'acharner un petit peu sur les mêmes là. 59, 21. Ouh là là, ils font mal. Hein. Oh, mazette, ils font mal. Barre de Jake, ok, d'accord. Vous croyez que j'utilise la tornade tout de suite? Parce que bon. Comme ça, il va taper les trois. Ah! Ah, et puis ça l'étourdit. Il a un debuff. Sont faibles. Je devrais peut-être pas utiliser mes attaques tout de suite. 58, est-ce que ça lui fait plus mal? Non, beauf. Ouh, il a esquivé. Bah, c'est moi qui ai esquivé.
J'ai appuyé sur A, j'ai reculé, j'espère que c'est bien moi. Hein. Oh bah bravo! Ah ça c'est pas cool! Oh la vache, il est étourdi et il rate son coup. Ah oui, c'est bien, c'est ça, je peux les esquiver. Ok. Oui, ça utilise de la barre d'ultra. Je ne la charge pas du coup. Et c'est lui qui est étourdi. Il a bloqué. Disons, c'est pas hyper facile. Il se prépare. Écrasement. On devrait peut-être se préparer à bloquer. Ouh, disons, c'est que ça fait mal, hein. Quoi, le tutoriel porte ses fruits. Ils sont pas faciles, faciles, hein. Ah, je vais le buter lui vite fait. Non, oh, mais c'est pas vrai, tu me le rates, Jake. 51, il lui reste encore. Raté. C'est ça, il y a bien un quick time event qui n'est pas dit tout de suite. Non, c'est pas vrai. Oh. Lance de glace. Mais il m'a tué! Ah oui, un cake. Sur eux est éliminé. Muffin, remplis la vie. Ok. Le muffin. Petit muffin, ressuscite un allié tué pendant un combat, 25% de sa santé. Ressuscite un allié tué. Bon, allez, fais voir 25%. C'est comme dans South Park. Voilà, comme ça. Il fera plus de dégâts. 23 seulement. Mais recule. Est-ce que j'ai droit à une ultra? Ça, c'est pour s'enfuir. Elle est où ton ultra? Je suis à 10. On va voir si on peut le finir. Ça marche pas mal. 22. Est-ce qu'on peut le finir avant qu'il fasse son attaque? Oui, c'est bon. C'est bon. Victory! Bon, il y a écrit victoire, mais victory, c'est cool aussi. Super, et Jake est blessé, malheureusement. 45 dollars. C'est des dollars en or, c'est joli. Donc ils se sont fait attaquer par ces pirates bananes. Oh là là, c'est quoi? C'est du sirop qui coule. C'est... Voilà. On doit trouver qui est en... Attention, l'icône au-dessus de la tête ennemie affiche leur niveau de difficulté. La tête de mort rouge signifie un ennemi dur à cuire. Dur à cuire. Est-ce qu'on doit y aller? Bah du coup, on n'y va pas. J'ai envie de dire du coup, on n'y va pas. Oh, je devrais peut-être y aller. C'est vrai, ils n'ont pas d'icône dur à cuire, eux. Excellent. Ok, allez, c'est parti. On va tabasser tout le temps le même. Mais recule. Mais non, bon, bah ça marche pas, le recul, j'ai rien dit, j'ai dit des bêtises. Oh, l'autre, il a un bouclier carrément. Oh, il se prépare une attaque. Putain, mais ils sont pas gentils. 60. Raté. Non, mais j'arrive pas à reculer quand j'en ai envie. C'est vraiment que quand mon perso a envie de reculer, il recule. Par exemple, là, pourtant, ça a pas mal marché. Une minute. T'es déjà mort? Oh, punaise, il est déjà mort. Ah. Il avait pas beaucoup de points de vie déjà avant, alors. Et forcément, forcément. Alors si je peux le tuer en un seul coup, ça marche pas des masses, hein.
Nickel, ça marche. Non, oh, il le ressuscite. Et sans... hey, pas facile, hein, le... l'IA. Elle fait pas de cadeaux, hein. Pas facile, l'IA. Est-ce qu'on peut heal tout le monde? Reste à terre. 23, tu fais vraiment pas beaucoup de dégâts, Jake. Non! Oh là là, ce Jake qui fait peu de dégâts. Oui! Ah bah d'accord, tout à l'heure c'était 2x15, ce coup-ci c'est par ennemi, ce coup-ci c'est... Tu fais pas... Il se prépare à charger, il se prépare à charger. Ouf. Oh le pauvre Jake. Oh là là, oh ça fait mal. Est-ce qu'on peut se heal un petit peu? Je sais pas combien de pommes j'ai, parce que c'est pas mal. Il faudrait que tu frappes vite, mais que tu ne le rates pas, et ça ne marche pas, il est toujours en vie. Oh, il fait un bouclier. Ok, on gagne un point. 11 seulement. Bon, il paraissait que si je recharge entièrement la barre du haut, j'ai une attaque spéciale. Appuie sur. C'est son attaque spéciale. Ok, il fallait appuyer en fait. Ok, bah voilà, j'ai totalement raté l'attaque spéciale. Maintenant, je sais qu'il faut appuyer sur, sur le bouton L. Oh, je suis un sac. Oh, je suis sale. Oh, je suis nul. Oh, je suis tellement nul. Bon, par où on passe? Par là, il y a un escalier. Alors, essayons. Voilà. Est-ce que c'est ouvert? Another way. Another way. Allez, on va essayer par là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc gigantesque qui fait des bulles et qui ressemble à rien? C'est marrant. Donc vraiment un jeu pour toute la famille, hein, j'ai envie de dire. Très très agréable. Très très sympatoche. Et ça, c'est pour sauter, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'une icône un personnage clignotant... D'accord, c'est pour... Bon. Alors, ce chien qui est absolument délicieux, il est capable de se déformer à loisir pour nous permettre de faire absolument tout et n'importe quoi. Candy Corn, Colonel... Colonel Popcorn. Quoi? On va encore interroger Papy un peu méchamment. Pas sûr qu'il faille être très très gentil avec lui. Nerf maximum, d'accord. We better go careful here.
On va y aller prudemment. Je vous aime bien. It's nothing personal, you understand. I have to protect the kingdom. Only candy folk can be trusted right now. Pirates have been spotted off the starboard bow. Eh, on va être gentil alors. Hey man, my friend here doesn't understand all this sailor speak. Help us out. What's going on? I can't trust anyone that comes by boat. You understand. To fight a pirate, you must think like a pirate. I saw them patrolling the high seas around the kingdom, so I raised the alarm. We must stay on lockdown. Pas un bateau de pirate, oui, oui, oui. Pirate boat, is it? Pirates? Who does he think he's calling a pirate? Qui c'est qui traite de pirate? Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? I'm listening. Pirates! Pfff. We're not pirates, Colonel. You know that. Snap out of it! We need to find the princess. I guess maybe I've gotten a little carried. Peut-être un peu emporté. Okay, okay. I should really keep things on lockdown until the princess comes back, though. But come to think of it, I haven't seen her for a while now. I do hope she's okay. Très mauvais amiral, tu m'étonnes. Il a perdu sa princesse. What's with a peg arm, Finn? And are both of your legs real legs? You must be pirates. Attends, on va être gentil avec. Drop the lockdown, bro. Arrêtez l'état d'urgence. On s'aidera à arranger les choses, promis. Well, if you promise, then maybe I could. Allez, on va essayer d'être gentil. S'il ne s'endort pas. Alone. We'll go and find the princess for you. Promise, dude. Promise, dude. Okay, I guess you can be trusted. Well, the princess was last seen with Marceline at the rear of the castle. You should start there. I'll send out an order to say that Finn and Jake are definitely not pirates and are not. Definitely not pirate. Good job, Jake. The interrogation was a success. Super, donc on doit retrouver la couronne du roi des glaces, on doit retrouver la princesse qui a disparu, la princesse de Candyland. Super, donc voilà, on est plus des pirates, c'est... Salut, ça farte. Mais, voilà, voilà, chers amis, qu'est-ce que c'est? Non, enlève-toi, comment on s'enlève là déjà? Voilà. Nikon de personnage. Ah bah y a que Finn alors qui peut. Find some treasure. Carte mise à jour, d'accord. C'était un point de vue, tout simplement un point de vue. Chers amis, appuie sur 1 pour sauter. Bon bah si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo découverte absolument délicieuse. Jeu très agréable. J'ai vraiment envie de refaire un épisode dessus. J'ai envie de voir où est-ce qu'il nous mène. J'ai envie de retrouver la princesse. J'ai envie de retrouver la couronne du roi des glaces. Sur ce, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo parce que ça soutient la chaîne, tout ça, tout ça. C'est la vampire. Ah ouais, alors elle était amoureuse de Finn. Et elle est super forte en fait. Jeune maman quand il s'est croisé. Quelqu'un l'a kidnappé, bah voilà. Elle va peut-être venir avec nous, normalement elle est super puissante. PB. Did you see who attacked you? PB. No, whoever it was, they snuck up on us. I saw which way they went and I can help you, but only if you can get my hat back. On it. We'll be back soon, Marcy. Hang in there. Il faut retrouver quoi, son sac? Bon bah il faut... Ah mais parce que bah, c'est une vampire, elle est en pleine journée, alors forcément. Putain, mais il y a des trucs qui brillent partout. Oh, j'ai envie de jouer. There it is. Ah mais there it is. Bah, s'il est là,
Autant aller le chercher. Bon, on va aller le chercher. Bah, il est juste à côté. Bien. Ah oui, j'aurais pu peut-être prendre. Alors, par contre, dites. Bah, tu peux pas. Faut faire le tour. Y. Ok. Non, non, mais on va retrouver son sac et puis on va la faire venir avec nous. Il y a des lumières partout. Ça y est, ça commence à peine. J'essaie de dire au revoir. Juste son sac. Juste son sac. Yes, yes, you were able to move this. Ça veut dire, il est capable de le bouger. En bon anglais. Nee. Non, dis donc, ça pousse strong. Hein. Et voilà. Ça fait qu'elle va peut-être venir avec nous. Mais non, mais c'est son parapluie, ça, en fait. C'est un genre de parapluie, c'est ça? Ah, d'accord. Donc eux, ils ont pas eu le... C'est son chapeau. C'est un chapeau et ils ont toujours pas l'air... Ah, j'ai dit que je dirais que... Tant pis. Tant pis, chers amis. On va s'arrêter là. Non, on les affronte, on rend le chapeau. On les affronte, on rend le chapeau. Le mec, il veut pas dire au revoir. Non, je ne veux pas dire au revoir. Tant pis. Bon... Voilà. Ah si si, ils nous ont rejoint. Ils nous ont rejoint, ok, autant pour moi. Hop là. Tiens, dans ta gueule. Alors par contre... Son attaque à Jake, elle est... C'est le gant magique. Je sais plus où il a trouvé celui-là. C'est le gant d'Iron Man. Oh, ça fait mal. Il est costaud, ce garde. Il déconne pas du tout. Regarde-moi ça. Hop là, voilà, 24 dans ta gueule. Oh, raté. Goddamn, il se prépare à attaquer. Oh, dis donc, moi j'ai plus beaucoup de points de vie et machin est mort. Donc je me demande si je les confonds pas tous les deux. Au niveau du nom, on est bien d'accord que Finn c'est le petit humain et Jake c'est le chien. Est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que je les confonds tous les deux? Aïe, ça fait mal. Really bad at this. Je suis vraiment très mauvais à ça. Voilà, on lui rend son chapeau. Il est gigantesque. Hein. Il y a un bateau ici. Attends, c'était là. Non, c'est ça, Finn et Jake. Oh, bah c'est, j'ai un tout petit peu eu peur de les confondre là. Voilà, tiens ton chapeau. Tu vas plus fondre au soleil. It's all good. All right, so whoever took Bonnabelle put her on a boat and sailed off in the direction of the evil forest. Or, you know, where the evil forest used to be. Then that's where we have to go. Let's get back to the boat. Let's get back to the boat. Donc elle vient avec nous, elle flotte et je peux l'utiliser. Oui, je peux l'utiliser. Elle a une hache. The water has caused serious damage to the castle foundations. I can help you. Climb aboard and I will take you back. Alors donc il vient de dire que l'eau a endommagé sérieusement les fondations du château, il peut nous aider. Il faut qu'on lui monte dessus et oh là là, tous ces trésors délicieux. Il y a aussi des trésors délicieux ici, est-ce que je peux sauter sur le... Non, pas du tout, pas du tout. Il faut que je fasse le tour. Bah, on va pas partir tout de suite. Je vais pas. Un autre épisode. Ça demande un autre épisode. Chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu de la mur. Je vous invite à vous abonner. Tchou tchou bye bye. Des bisous et à la prochaine.